Bien, le réseau des délégués sociaux puis la FTQ, c'est un apport essentiel pour nos membres. C'est un réseau qui a été mis sur pied il y a 32 ans, à l'époque que Louis Laberge était président. Puis on vivait une grande détresse parmi nos membres. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'aide extérieure pour nos consoeurs et nos confrères qui étaient en détresse. Donc, on a mis tranquillement ce réseau-là en place. On a fait un partenariat avec Centraide. Dans mon milieu de travail, qui compose maintenant 1700 personnes, il n'y avait pas ce service-là auparavant. Donc, je me suis impliqué dans ce service-là pour commencer à offrir le service aux travailleurs. Il a fallu que je monte tout le programme avec l'aide des coordonnateurs du réseau des délégués sociaux parce qu'il y avait une demande. Il y avait beaucoup de difficultés en milieu de travail et je trouvais important de pouvoir faire quelque chose, d'amener un aspect qui n'était pas présent sur le milieu de travail pour aider ces personnes-là qui souffraient de détresse psychologique. Que ce soit des problèmes financiers, des problèmes avec la garde des enfants, souvent les gens ne savent pas où aller chercher leur aide. Donc nous autres, on est vraiment un support pour les aider à trouver la bonne ressource. Parce que souvent, quand les gens sont en détresse, ils ont de la misère à chercher, ils ne savent pas où aller chercher, tandis que nous, on est vraiment à proximité, on est avec eux, à côté d'eux. Fait que je pense que c'est on est la solution facile puis la solution proche. Fait que c'est ce qui fait, je pense, que le réseau fonctionne bien. J'entends de vos coordonnateurs et des syndicats que les problèmes de santé mentale, comme l'épuisement professionnel, le harcèlement psychologique et la violence au travail, prennent de plus en plus de place dans nos interventions. D'ailleurs, ce matin, je feuilletais les documents qui vous ont été remis. Il y a des petites cartes, et c'est intéressant, hein? Il y a des statistiques sur ces petites cartes-là là, qui ne mentent pas. Entre autres, j'en ai une, là. Les arrêts de travail pour maladie sont causés à 59 % par des problèmes de la vie professionnelle et du travail. Néanmoins, 32 % des arrêts sont reliés uniquement au travail. On dit aussi, selon les statistiques, que 25 % de la population en emploi présente un niveau élevé de détresse psychologique et on prévoit que d'ici 2022, une personne sur deux va être en difficulté. Chez nous, en tout cas, c'est très, très important. Chez nous, sinon, c'est l'infirmière. C'est un cadre, puis les gens ne veulent pas aller là. Fait qu'ils vont venir nous voir, nous. On a des références, on a des ressources. On s'est développé des ressources sur la Rive-Sud. On travaille avec la communauté. Puis on aide beaucoup les chauffeurs. Oui, chez nous, c'est très important que ce soit de pair à pair. Ça peut être des problèmes personnels, mais il y a aussi beaucoup de problèmes qui sont liés au travail, à la mauvaise organisation du travail ou à la demande qui est de plus en plus grande d'en faire plus avec moins. Donc, c'est plus difficile. Puis on le sait, on est dans des temps d'austérité, mais c'est depuis 20 ans que ça existe, que les gens travaillent de plus en plus puis ont de moins en moins. Des horaires de travail qui ont dû changer, travailler plus tard le soir, travailler à la noirceur, amener certaines difficultés au travail. Et c'est une méthode de travail qui a changé complètement, ce qui a mis une très grande incertitude à tous les travailleurs et travailleuses des postes. C'est la société, en fait, qui est comme ça. Je vous dirais même que chez nous, c'est pas juste des gens syndiqués qui viennent me voir. Alors, ça veut dire que notre réseau s'étend et les gens le savent tellement que maintenant, l'employeur est en train de faire un réseau d'entraidants en collaboration avec nous et il prône notre réseau. Alors, c'est excellent. On est délégué social, c'est l'intérieur. J'étais, sans le savoir, délégué social, j'aimais aider les gens. À un moment donné, je me suis rendu compte que je venais en aide à des gens, puis j'ai embarqué dans le réseau de délégués sociaux, ce qui a fait en sorte que je suis devenu délégué social, mais je l'avais en moi avant même de m'en rendre compte. Dans la vie, on cherche notre X à un moment donné, notre position, où on pense où on va être bien, où on va être satisfait. Et depuis 8 ans maintenant que je fais ce travail-là, je me sens sur mon X. Je sens que je suis quelqu'un pour quelqu'un, puis ça me valorise en quelque part, ça me fait du bien. Le message, c'est peut-être qu'on ne dit pas assez souvent que leur travail est important. Ils ne sont pas toujours mis à l'avant-plan hein, parce qu'ils ne participent pas à la négociation de la convention collective. Donc, c'est des gens qui font un travail souvent dans l'anonymat, mais c'est un travail qui est essentiel. Puis je pense que c'est des gens... Au congrès de 2010, on a adopté le 14 février comme journée de reconnaissance des délégués sociaux. On va le souligner le 14 février, mais je pense qu'on doit le reconnaître à tous les jours de l'année.